Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bonjour et bienvenue au Visual Studio Talk Show, le podcast où l'on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Nous allons passer le micro à nos animateurs, Guy Barrette et Mario Cardinal. Hey, salut Eric! Bonjour Eric! Bonjour, bonjour! On espère pour les auditeurs que ça leur a permis de penser pendant quelques secondes qu'ils n'étaient pas en 2009, mais en 2004, parce qu'Eric est un vieux de la vieille, premier co-animateur d'émission. Ça se peut qu'il y a des auditeurs qui ont commencé à nous écouter il y a un an, deux ans, puis qui n'ont jamais entendu même ta voix. C'est très possible. Même si tu as été invité à quelques occasions. D'ailleurs, il y a une émission que tu as fait, Eric, il y a quoi, un an et demi maintenant, deux ans, sur le multitrading? Je crois que c'est trois ans. Trois ans, mais croirais-tu que cette émission-là est encore beaucoup téléchargée? Je n'en doute même pas. Parce que le multitrading, c'est un sujet hot, sujet du jour. Donc, mais il y aurait tellement de choses à mettre à jour, parce que depuis ce temps-là, naturellement, il y a eu des nouvelles librairies qui sont sorties, comme par exemple Parallel Link, et puis naturellement F-Sharp qui vient un peu changer la donne. Ça a changé énormément en 3-4 ans. On va y revenir, mais aujourd'hui, on enregistre notre 100e émission. 100! 100 émissions. Qui aurait dit que quand ça a commencé, il y a quoi, en 2004? Pour la petite histoire, là, je me souviens, j'étais à l'été 2004, puis j'étais en train d'écouter .NET Rocks, qui est le premier podcast technique qui a existé, qui est, lui, est né en 2002. Hein. Je me souviens avoir reçu un email en 2002 de Nicolas Landry, une connaissance à nous qui vit plus maintenant à Montréal, qui vit à New York, qui a même fait un podcast. Puis Nicolas m'a envoyé un email en disant « Hey, je t'invite à écouter mon podcast que j'ai fait avec Carl Franklin, c'est .NET Rocks. » C'est quoi ça, un podcast, premièrement? Ben, c'est ça. Je suis même pas sûr qu'à l'époque, il avait dit podcast. Je pense qu'il m'avait dit un internet show, quelque chose du genre. Là, je lis son email, je dis, c'est quoi qu'il raconte, lui? Je clique, je regarde ça, puis mon premier réflexe, c'est comme, pas d'intérêt. Pas d'intérêt à ça. Donc, je ferme ça, puis je laisse ça sur le hold. Tu sais, un an et demi plus tard, à un moment donné, je découvre que je pouvais digitaliser des MP3 sur des CD, puis les écouter dans mon auto, parce qu'il n'y avait pas vraiment de lecteur quand on était en 2003. Et je retombe sur le fameux site de .NET Rocks, puis là, j'écoute une émission, je dis « Ah, c'est le fun, ça! » Puis là, je commençais à digitaliser sur des CD, puis je les écoutais dans l'auto. Donc, à toutes les semaines, quand le show sortait, là, je mettais ça dans l'auto, puis je me souviens... si j'avais le bonheur d'avoir quelqu'un de techie avec moi, ben là, je pouvais cranker le volume puis écouter .NET Rocks avec la personne. Puis si c'était avec ma femme, mes enfants, ben là, on a dit ça, là. Ah, ben oui, absolument, là. Donc, on est à l'été. C'était à cette époque-là, en 2004, à peu près? C'est ça. Puis là, un moment donné, je me suis dit, hey, ce serait le fun de faire ça en français. Puis deux secondes après, je dis, ben non, on n'a pas le temps de faire ça. Et deux semaines après, je dis, ah oui, ça serait vraiment le fun de faire ça en français. Puis, Éric, je sais pas si tu te souviens, à la rentrée de l'automne, on était à ce qui s'appelle maintenant la communauté.net, mais qui à l'époque s'appelait le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Puis là, j'étais à bord, je dis, Éric, ça serait le fun de faire un podcast en français comme .NET Rocks. Puis, Éric, fidèle à lui-même, au lieu de me dire, voyons donc, qu'est-ce que tu racontais, il dit, ah oui? Ben, Éric, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'il va toujours t'encourager. Tu dis, ah, c'est vrai, ce serait une bonne idée. Puis même, ça, rapidement, il m'a dit « Je serai ton premier invité. » la vraie histoire de ça, c'est que je t'ai dit « Veux-tu être le premier invité? » Parce que vu que j'étais tellement sûr que ça serait un cafouillis au niveau technique et tout, j'aimais mieux être d'affaire avec quelqu'un que je me sentais plus en confiance qu'avec un peu inconnu. Et si je me rappelle, cette première soirée-là, on était parti vers minuit. Ça avait duré longtemps l'enregistrement. Ouais. Là, c'était compliqué, là. Tout l'aspect enregistrement, c'est pas facile. Ben là, Guy, aujourd'hui, je connais assez bien tout ce qui est la technologie liée à l'enregistrement, mais à cette époque-là, à part savoir qu'il existe des fichiers MP3, je disais, bon, comment on produit un fichier MP3? J'avais aucune idée. Ou en tout cas, j'avais une petite idée, mais j'étais vraiment pas sûr. Puis fidèle à moi-même, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone et j'ai appelé une connaissance, un ami avec qui j'avais déjà travaillé dans une autre compagnie. Je savais que ce gars-là avait travaillé chez Radio-Canada pour... Radio-Canada, oui. Puis,
Et il avait été preneur de son. Donc, il avait fait dans une vie précédente, avant d'être programmeur. Il avait fait de l'audio. Il a fait de l'audio. Donc là, je l'appelle, puis je commence à expliquer ça, puis il dit « Ouais, ouais, tu préfères ça. » Puis, mais là, j'étais un peu dépourvu. Donc, à la fin de la discussion, il dit « Ben, il dit, garde, je peux te donner un coup de main. » Il dit « Je pourrais te montrer comment on enregistre, mais on préfère les premiers podcasts chez nous. » C'est pour ça qu'on se retrouvait les premiers, en tout cas les 10 premières émissions. À l'autre bout de la planète. On allait enregistrer à Varennes. Donc, c'est un peu comme si on allait enregistrer à une trentaine de kilomètres à l'extérieur de Paris, parce que c'est là où demeurait cette personne-là à l'époque. À Paris? Non, pas à Paris, mais donc c'était quasiment à une vingtaine de kilomètres de Montréal. Je veux juste donner un parallèle. À quoi, 45 minutes en voiture. Du centre-ville, là, peut-être en 45 minutes. Là, ouais. Donc là, on se rendait là, puis on commençait à enregistrer à 7 heures. Ça allait tellement bien nos affaires qu'on finissait à minuit à peu près parce qu'il fallait se reprendre. En tout cas, Il y a pas un moment donné où il y a un disque dur qui a crashé ou qui a flanché? Il y a des fichiers qui ont été perdus. Il y a des réenregistrements qui ont fallu. Ça fallait réenregistrer? Oui. Ben oui, parce que... le lendemain soir. Le deuxième mois, à peu près, ou le troisième mois, ce copain-là, son disque rigide avait des problèmes. Donc, il y avait des défaillances physiques. Puis là, il disait, ouais, ben c'est intermittent, donc il réussissait pas à le trouver. Ça tombait toujours quand on avait en plein milieu d'un enregistrement. Puis des fois, heureusement, ça faisait juste 5 minutes qu'on avait commencé. Donc là, il disait « Shit, je viens de perdre mon hard disk. » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens de perdre mon hard disk. Ça n'enregistre plus. Il fallait s'asseoir. On recommençait. On recommence. On a fait ça une couple de fois, hein, Eric? Fallait avoir la foi. Toi, Eric, t'as été le premier invité, mais par la suite, t'as été co-animateur. Oui. Mario avait déjà l'idée, même au moment qu'il m'a invité comme premier invité, probablement d'avoir un co-animateur pour que ce soit plus intéressant. Puis il m'avait offert le poste au début. Et puis j'ai accepté parce que je trouvais l'idée très bonne. Alors moi, j'ai été le deuxième invité. Oui, parce qu'encore là, au début, on choisissait du monde avec qui on était en pure confiance. On disait, si ça va mal... parce que le début, c'était vraiment un processus d'apprentissage. Comment être capable de... Écoute, à l'époque, là... Et le fameux fichier WAVE qui générait 600 quelques mails, là, on le brûlait sur un CD parce que je pouvais même pas dire, je vais donner une clé USB comme on a aujourd'hui de 2, 4, 8. Ça existait pas, là. Il me brûlait ça sur... Puis quand c'était trop gros, si l'émission était trop longue, ça rentrait pas sur le CD. Donc là, ça fallait qu'il me brûle ça sur un DVD. Puis, bon, c'est moi qui fournissais les DVD, parce que les DVD n'étaient pas gratuits non plus, en tout cas. C'est aussi bizarre que ça peut sembler. Mon Dieu, ça fait pas des dizaines et des dizaines d'années, là. Ça fait 5 ans, là. Mais à cette époque-là, quand tu disais aux gens de télécharger, parce qu'au début, aussi, il fallait jouer beaucoup sur la qualité du son. Parce que aujourd'hui, nos fichiers font à peu près 50 mails. Ouais. Puis on les une pas vraiment sa qualité. On le voit en 96 kHz. On fait un sampling. Mais à l'époque, lorsqu'on allait en mono, on allait chercher du 32 kHz au lieu du 96. Donc, t'entendais beaucoup... Gricher, ou en tout cas, la qualité était moindre. Ouais, mais il faut dire que des fois aussi, tout au long des années, des fois, ça griche un petit peu plus parce que... Il arrive toutes sortes d'aventures, puis c'est correct. Je veux dire, ce qui est important, c'est le sujet, la discussion. Des fois, au niveau technique, bon, ça accroche un peu. Sauf Guy, d'ailleurs, parce que quand t'es venu enregistrer, toi, la deuxième émission, tu connaissais le domaine du son, parce que, bon, t'es un musicien, t'as fait beaucoup de choses avec la musique. Mm-hmm. Puis je me souviens, à l'époque, on avait eu une discussion sur l'importance de la qualité. Déjà, on avait dit, on ne lésinera pas parce que... On se le cachera pas, on n'est pas les seuls à avoir fait des podcasts. Dans la langue française, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu beaucoup en anglais, mais en anglais, il y a une prolifération de podcasts de piètre qualité. Oui, ben en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent Skype, par exemple. Donc, pour enregistrer à partir d'Internet, là, une conversation. Donc, la conversation qu'on enregistre, finalement, va être de moins bonne qualité. C'est comme si on enregistrait le téléphone, là. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'enregistrer avec les gens, finalement. Donc, avec nos invités présents. Donc, ça nous permet d'avoir des micros, là, puis d'enregistrer de meilleure qualité. Mais il y a un aspect qui est plus intéressant encore, c'est qu'on a un contact humain avec ces gens-là. Là, tu avais le point, parce qu'on se le cachera pas. À l'origine, on enregistrait avec les gens parce qu'on n'avait pas la technologie pour faire de l'enregistrement. On n'avait pas acheté les bidules pour être capable de brancher un téléphone puis prendre la source sonore du téléphone. Puis on disait toujours, on va faire ça, là, mais pour la première année. Mais dans la première année,
En tout cas, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'était très plaisant d'avoir la rencontre personnelle avec les individus, ou les individus. Puis, ça donnait une autre dimension à toute cette activité-là, parce que c'est quoi notre récompense à nous autres? Ça nous prend du temps à faire le podcast. En fait, pourquoi on fait ça, Mario? Ben, c'est pour ça. Parce qu'il y a le plaisir de la rencontre. Parce qu'au cours des années, c'est ça, on ne devient pas ami avec les gens, mais on devient à établir des relations de connaissances, pas intimes, mais par exemple, il y a des individus qu'on revoit d'année en année dans des conférences. Et à toutes les fois, c'est le plaisir de se re-rencontrer parce que on a vécu quelque chose d'un peu particulier qui est de faire des podcasts où est-ce que pendant une demi-heure, on était sur vraiment dans la même bulle. En fait, ce qu'on fait, c'est que je dis toujours, avant qu'on parte l'enregistrement, je dis toujours à nos nouveaux invités, ce qu'on enregistre, c'est pas une interview, là, c'est pas un interrogatoire sur un sujet en particulier. On enregistre une conversation en passionné. Donc, c'est comme si autour d'une table ou autour d'une bière ou d'un bon verre de vin, on parlait d'un sujet informatique qui nous passionne. Mais on l'enregistre, puis on le fait partager à plein de monde. Puis ça force un certain formalisme. Le fait qu'on enregistre, on reste focusé sur le sujet parce que autour d'une table avec une bouteille de vin, c'est sûr qu'à un moment donné, on changerait de sujet. C'est sûr qu'en cours de route, on parlerait peut-être plus de technologie. Supposons qu'on est sur une terrasse à Paris, puis il y a une jolie fille qui passe, ben la discussion bifurquerait peut-être sur les belles jambes de la demoiselle. Et là, puisqu'on se focus, on reste dans notre technologie. Puis ce qui se passe souvent, puis je Guy, on l'a vécu à l'occasion, pour donner peut-être l'image à nos auditeurs, vous savez, quand on programme, actuellement, on embarque dans ce qu'on appelle le flow. C'est-à-dire que quand on programme, on tombe vraiment dans notre bulle, et là, on code, hein, ça va bien, dans la zone. Mais, et je peux dire que Mario, quand on enregistre, il tombe dans une zone. Et c'est toujours intéressant de voir Mario prendre une envolée dithyrambique avec un invité où est-ce que là, il va commencer à pousser ses grandes théories sur l'architecture. Puis ce qui est plaisant avec Guy, c'est que lui, il mortifie, il dit « Bon, là, t'es trop haut dans le ciel, on va revenir sur la planète Terre. » En fait, c'est comique parce que souvent, je dis, et puis les auditeurs qui nous écoutent régulièrement vont reconnaître, là, c'est quand je dis à un moment donné « Bon, concrètement, là, ça fonctionne comment? J'ai besoin de quoi, là? » Donc, c'est comme je ramène la conversation au niveau un petit peu plus concret. Par contre, avec nos invités, on embarque dans cette zone-là. Et c'est là que je dis qu'on vit quelque chose d'un peu magique et peut-être un mot trop fort, mais on vit... C'est le fun, une bonne conversation intéressante. Ben, les gens qui sont avec nous sont passionnés d'un sujet. Et on discute de ce sujet-là. Donc, c'est automatique, là. Il y a cette passion-là amène une discussion passionnée, là. Mm-hmm. Puisque, comme tu disais tout à l'heure, ben, on finit par rencontrer plein de gens qu'on rencontre soit dans les conférences. Donc, la première raison, c'est le plaisir de la rencontre. Il y a une autre raison pourquoi on fait ça. C'est parce que on veut apprendre. Ben, c'est ça. La deuxième raison, c'est que même si les gens peuvent penser que nous, on connaît tout, non, on connaît peu de choses parce que à chaque émission, j'ai des fameux AA là, sur deux ou trois choses où je fais « Ah, tiens donc, j'avais pas vu ça comme ça ». Puis donc, je termine l'émission, en tout cas, je peux dire le soir que je vais me coucher un peu, en connaissant un peu plus sur le domaine de la construction de logiciels. Moins niaiseux, comme on dit. Moins niaiseux, en bon québécois. Puis je pense, en tout cas, j'ose espérer que pour nos auditeurs, la même chose se produit. Puis Guy, beaucoup de gens nous ont dit pourquoi vous faites juste un podcast? Pourquoi juste l'équivalent de la radio? Quand la technologie est là depuis ces dernières années, on pourrait faire du montage vidéo, faire un peu un TV show au lieu d'un podcast. Écoutez, ce que vous entendez là, c'est un montage dans le sens où souvent on se met à bafouiller ou des fois ça n'a pas de sens, on amène la conversation dans un endroit où on n'aurait pas dû l'amener. On fait un petit montage à la fin, pas dramatique là, mais on coupe les petits moments de bafouillement ça, et faire ça en vidéo, c'est un défi là technique important. Juste donner l'ordre de grandeur. Pour une émission d'une heure, ça prend à peu près 3 heures à faire le montage, même si c'est un petit montage.
couper aux bonnes places, s'assurer que tout marche bien, puis bon, mettre les introductions, les musiques, ça prend 3 heures. C'est au moins le double. C'est au moins le double. C'est 1 heure, au moins 2 heures. Là, un bon 2 heures. Je dis 3 heures parce qu'à la fin, il faut aussi télécharger l'émission sur le site. En tout cas, il y a tout. Et le montage, là, c'est au moins le double de la longueur de l'émission. Et là, on est juste en audio. Mais si on se rend en vidéo, faut que tu fasses, tu sais, faut que tu coupes avec des plans, faut que tu changes tes scènes. C'est un métier beaucoup plus vaste. Donc, probablement, pour une émission d'une heure, ça serait comme 10 heures minimum, 10 pour 1. Ouais. Puis on se dit, quelle serait la valeur ajoutée par rapport au fait que c'est une conversation qu'on enregistre? Je sais pas si notre objectif, ça serait de dire, on va prendre un contenu visuel, on va le montrer. Là, ça aurait peut-être une certaine valeur, mais, puis moi, je reste convaincu que c'est intéressant que ce soit juste audio. Puis un exemple parmi tant d'autres, je me souviens qu'on a reçu, j'ai reçu il y a peut-être quoi 3 ans, un courrier d'un auditeur européen. Européen ou québécois, je me souviens plus en tout cas. Mais il m'écrit puis il dit, savez-vous, il dit, j'adore votre podcast parce que je peux l'écouter pendant que je tombe mon gazon. Donc, puis là, il me disait, maintenant, tondre mon gazon est une activité plaisante de la vie. Parce que, tu sais, quand il fallait qu'il tonde son gazon, c'est comme, ah, ouais, je vais perdre encore une demi-heure de ma vie. Mais là, il mettait son headphone, podcast, puis là, il dit, on coupe le gazon en écoutant le Visual Studio. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans l'auto, donc dans les transports en commun. Au début, les gens brûlaient sur des CD. Et maintenant, avec les lecteurs MP3 qu'on branche dans la radio, dans l'auto, moi, je sais que mon radio a une prise USB. Je peux brancher une clé USB directement dedans. Donc, moi, quand j'ai des clients où je dois prendre ma voiture, ben, je mets sur ma clé quelques podcasts, puis on écoute ça dans la voiture. Je me souviens, il y a quoi 2 ans quand Tekken avait eu lieu à Boston? On était monté en voiture parce que c'est quoi, c'est 5h, 5h30 de route, t'allais à Boston. T'étais là? On s'était tapé un party de... C'était .NET Rocks ou Ansel Minute, je me souviens. Les deux. Quand j'ai un party, là, c'est que ça durait 5h30. Ben 5h30, on est un après l'autre, on écoutait des podcasts. On était 4 techies dans l'auto. Puis, c'était le soir, la nuit, donc aussi bien s'amuser en conduisant. Donc, toi, Eric, t'as fait quoi? Une année, peut-être? J'ai fait un petit peu plus qu'une année. Un petit peu plus d'une année, là? Oui, environ. Même quasiment 2 ans. Pratiquement. Puis t'as commencé à donner de la formation à Québec. Ce qui arrivait aussi, c'est que à un moment donné, la vie nous rattrape. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, toi, t'es arrivé à la 2e année environ, Guy, et t'es venu, comme on dit, donner un coup de main à l'équipe. Et puis moi, je devenais de plus en plus occupé. Et ce qui arrivait, c'est qu'une conversation à 4, c'est plus difficile à céduler qu'une conversation à 3. De 1. De 2, à quelque part, il faut préparer nos émissions. Il y a un effort de préparation qui doit être systématique. Puis on a tombé à 2. Mais on a continué à t'inviter parce que tu nous as dépanné, Manif, à l'émission sur le multitrading. Parce qu'on sait que si on n'a pas d'invité ou si un invité ne peut pas venir parce qu'il est malade, choses comme ça, on pointe toujours au point de téléphone. En anglais, le stunt guest. Le cascadeur, l'invité cascadeur. La difficulté qu'on peut vivre ces années, c'est que maintenant, tu vis à moitié à Québec et à moitié à Montréal parce que tu donnes de plus en plus de formations à Québec. Même peut-être un petit peu plus à Québec? J'en donne plus à Québec. Présentement, je vis environ, depuis le début, peut-être depuis un an, je vis 70% du temps à Québec, 30% du temps à Montréal. On te voit moins, en tout cas, à la communauté .net de Montréal. Est-ce que tu as commencé à t'impliquer avec la communauté à Québec? Ben, la semaine prochaine, je suis supposé aller à ma première rencontre à Québec. Ah, OK, excellent, excellent. Donc, la formule, parce qu'habituellement, la formule, ça serait qu'on ferait la biographie de notre invité. Mais regarde, on n'a pas de formule. Pas de formule aujourd'hui. OK, là, laisse donc faire les formules, là, pour une fois, là. Hey, si on retournait un petit peu dans le passé, puis on se remémorait finalement des émissions qui nous ont frappés. Mm-hmm. Donc des sujets peut-être qui ont peut-être sorti de l'ordinaire, pas nécessairement parce que les autres étaient ordinaires, mais qui ont sorti du lot. Moi, je me souviens entre autres la 3e émission, parce que les premières émissions.
c'était sur des sujets que, théoriquement, je connaissais assez bien, là. Je me souviens, Eric, t'avais fait, toi, sur le multilingue puis les certifications. Guy avait fait ça sur VSTO. Ouais, l'émission numéro 2. Pauvre de toi, VSTO à l'époque, quelle technologie! Hey, 2005, c'est mauvais avec Office 2003. Puis, Étienne, t'es venu parler de TFS, on avait eu après ça... Moi, ce que je me rappelle beaucoup des premières émissions, c'est quand Guy est arrivé à un moment donné, durant le deuxième fois, en disant « J'ai un thème pour vous, les gars. » Ah oui, c'est vrai. Au début, on n'avait pas de thème musical. Le premier choix, on n'en avait pas officiellement. Guy, il dit « Mais là, une émission, pas de thème musical, ça vous en prend un. » Donc là, il nous a fait, puis on faut aussi rappeler que ça s'appelait pas le Visual Studio Talk Show à l'époque. On va expliquer pourquoi ça s'appelait. Oh boy! Ça s'appelait Blabla.net. Blabla.net. Puis là, Guy nous avait fait la même musique, mais au lieu d'avoir le début Visual Studio Talk Show, là, c'était Blabla.net comme un petit robot. Ça terminait de la même façon. Puis, donc, il nous arrive avec ça. Puis, mais Blabla.net, quand on jasait un petit peu avec les anglophones nous disaient blabla, c'est péjoratif. C'est pas de la qualité. En fait, blabla, en anglais, c'est comme du small talk ben bas, là. En réalité, au Québec, blabla est perçu beaucoup plus positivement que peut-être qu'en Europe. En Europe, quand tu dis tu fais du blabla, c'est aussi parler un peu comme un enfant, hein, Ouais. Donc la compréhension des Américains, ou en tout cas des anglophones, quand on leur expliquait le blabla.net, puis nous, comment on pouvait le percevoir au Québec, il y avait vraiment une dichotomie assez prononcée, parce que pour eux, c'est pas sérieux, votre affaire. Ouais. Ça les faisait rire. C'était un bon nom, vous prenez, ça fait, ils rapidement, ils disaient, c'est sûr que vous prenez pas au sérieux, les gars, avec un nom comme ça. Et, on a eu des commentaires de bons amis, Barry Gorvin, par exemple. Jean-Luc David, ouais. Amalie, qui nous ont dit peut-être que si vous voulez que les gens. Parce que souvent, on parlait avec Microsoft, puis la majorité des gens chez Microsoft sont c'est la communauté anglaise. Ils disent, si vous voulez avoir une perception plus positive, peut-être vous devriez changer votre nom. Puis. Ça n'a pas été long. On a pris le nom du produit, là, Visual Studio. Talk show, c'était clair. Parce que pour nous, c'est un talk show qu'on fait. Puis ça se donne que ce soit en français ou en anglais, c'est le même nom. Là, il restait à décider. Ça s'appelle comment cette affaire-là? Le Microsoft Talk Show, non. À l'époque, en tout cas, j'aurais pas eu la confiance d'appeler ça le Architecture Talk Show. The Mario.show. Ouais, donc là, mais Visual Studio, pour la petite histoire, quand on a dit Visual Studio Talk Show, ça faisait VSTS. Un produit que beaucoup d'entre nous sommes en amour, on parle de Visual Studio Team System. Donc l'acronyme, on trouvait qu'il y avait comme un double sens dans notre nom, Visual Studio Talk Show. Puis on a adopté ce nom-là. Ouais. Eric, est-ce qu'il y a des émissions qui ont sorti du lot? Je dis ça, là, mais j'ai bafouillé 3-4 fois avant de le dire. Mario... Tu l'as dit une dernière fois? Non! J'espère que tu vas couper ça au montage, Mario. Ouais, on va essayer. Non, c'est moi qui vais faire le montage! C'est toi qui fais le montage, comme ça, tu vas être sûr que t'es... Parce qu'il faut faire attention, hein, parce qu'avec Guy, des fois, quand il fait le montage, si j'ai le malheur de trop bafouiller, je peux peut-être retrouver ça à la fin de l'émission comme étant un blooper. Un blooper. Ben, il y a plusieurs émissions qui sont sorties du lot, moi, je trouve, au début. Au début, il y avait toujours comme de la nouveauté. Et donc, quand on est arrivé avec le premier invité que je connaissais pas, par exemple, Éric Renault, moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Il avait fait une grande discussion avec NUnit et les tests unitaires. Et moi, ça m'avait fasciné cette conversation-là parce que les tests unitaires, c'est pas quelque chose que je faisais auparavant. Mm-hmm. À l'époque, c'était encore relativement nouveau. C'était pas quelque chose qui était dans le produit encore parce que Visual Studio 2005 n'était pas encore sorti. Maintenant, il fallait prendre NUnit. Exactement. Et ça m'avait ouvert ma porte à un monde, comme on dit, que je connaissais pas. Et je trouvais ça intéressant. Moi, tu vois, la partie de tests unitaires, j'étais assez familier, même si je peux pas dire à l'époque que j'avais mis ça en pratique dans ma façon de développer. Là, avec les années, on s'y est mis vraiment. Moi, ce qui est une des choses où est-ce que j'ai comme compris durant l'émission que je comprenais mal le terme et ce que c'était, c'est l'émission suivante avec Michel Perriard. On avait fait une émission sur Continuous Integration. Et dans ma tête à moi, Continuous Integration, c'était on construit au moins une fois par jour et on s'assure de, tu sais, que tout est stable, que ce qu'on a dans notre gestionnaire de code source est stable. Et à un moment donné, dans l'émission, je me suis rendu compte, je me suis dit, non, c'est pas ça, c'est on construit dès qu'on fait un check-in,
Puis là, il y avait toutes les raisons derrière ça. Puis Michel avait bien expliqué les avantages. Aujourd'hui, je dirais, c'est dans tous les produits, là. Puis c'est même, probablement, beaucoup d'organisations sont rendues là à faire de l'intégration continue. Oui, une des premières émissions que je me remémore, c'est lorsqu'on était au PDC en 2005, la conférence Professional Developer Conference, et on a fait, on a interviewé des Regional Directors de France, Nicolas Clerc, Yann Faure, Bernard Fedotoff et Éric Groise. Mm-hmm. Donc, on avait ces gens-là, puis on leur a demandé leur opinion, finalement, là, sur le PDC. Puis c'était le fun parce je rencontrais, bon, c'est des regional directors comme moi, mais j'ai rencontré, bon, de temps en temps dans les conférences, mais avoir une conversation, là, les rencontrer, c'était vraiment la première fois. C'est là que le talk show devenait international. Ah, ouais, oui. Pas des premières fois. Ouais. Mais vois-tu, Bernard Fedotoff, lui, il a maintenant presque un rendez-vous assuré parce que les deux PDC suivants, il est venu faire un podcast pour nous donner son appréciation de qu'est-ce qui était les nouveautés. Ouais, puis on en profite justement pour avoir une opinion. Nous, on se fait nos opinions, mais des fois, c'est intéressant d'avoir une tierce opinion pour peut-être amener des points qu'on n'aurait pas vus ou un point de vue finalement qu'on n'aurait pas vu. Parce que si je me souviens bien, c'est bien à ce PDC-là que Microsoft vous avait entrouvert la porte la première fois sur Link. Oui. Donc c'était un des highlights pour beaucoup de monde. Puis je me souviens que là c'était aussi Workflow Foundation. Ouais. Puis on avait comme beaucoup d'attentes sur Workflow. On sait que les attentes en tout cas. On espère que Workflow 4 puis la prochaine génération va nous amener ailleurs. Finalement à l'expérimental, on s'est rendu compte qu'un modèle qui est focus seulement sur le processus, sur le traitement, c'est ça les workflows, puis qu'on oublie la partie orientée objet, les objets, en tout cas. Il y a une raison pourquoi on programme avec des plateformes orientées objets, puis qu'on programme plus avec des plateformes qui sont procédurales, c'est que c'est difficile à maintenir. Mario, tu mentionnais tantôt NUnit, les Continuous Integration. Moi, une des premières émissions qui parlait un petit peu de tout ça, c'était celle de François Beauregard, les approches agiles, en 2006. Puis je me souviens, c'est vraiment la première fois là où j'entendais quelqu'un là parler de en long et en large là, qui était capable de vulgariser là le domaine là. Mais ça, c'est une émission. On a reçu beaucoup de emails. On reçoit des emails. Hein? Les gens nous disent félicitations, appréciez beaucoup. Celle de François, on en a reçu là, des emails. Les gens nous ont donné du feedback comme quoi. Il avait aimé. On avait réussi, je pense. Puis c'est pas nous, c'est pas nous qui sommes vraiment les responsables de ça. Je pense que c'est beaucoup François, mais on avait réussi à vulgariser. Je me souviens, c'était une des émissions. On était entré dans la zone. Ouais. On avait eu du plaisir à faire ça. Ouais, des fois, à la fin de l'enregistrement, on dit waouh, là, on a réussi. Là, on a réussi à vulgariser le sujet, à couvrir le sujet. D'un à nous à comprendre, là, mais en même temps, ben, de faire passer aussi le message sur ce sujet-là. Donc là, François, je pense que ça a été un de mes coups de cœur là, à ce niveau-là. François fait partie parce que j'essayais de faire un petit décompte. Qui sont nos invités qui sont venus le plus souvent au podcast? Ah, les superstars! Il y a beaucoup d'invités qui sont venus trois fois. François fait partie de ce lot-là. On a facilement 10-15. Ceux qui ont gagné, si on peut appeler ça gagné, je sais pas si on peut dire qu'il y a un gagnant ou un perdant. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Notre bon ami Étienne Tremblay. Ah, pas lui! Quatre fois. Puis là, bon, on est en train de l'aligner pour qu'il vienne une cinquième fois. Donc, il va essayer de garder son statut. Celui qui le suit de plus près à quatre fois aussi, c'est Jean-Luc David. Puis là, Étienne va avoir des chances, je pense, de distancer Jean-Luc parce que Jean-Luc vit maintenant à Seattle. Ben oui, chez Microsoft. Il travaille pour Microsoft. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est lui qui animait un webcast qu'il avait avec Scott Guthrie. C'était Jean-Luc qui était l'animateur de ce webcast-là. Ouh. Donc, tu sentais dans sa voix la fierté de « Wow! Here I am! » avec Scott Guthrie. Donc, j'étais surpris et heureux de voir que... On sait que Jean-Luc, tranquillement pas vite, fait son chemin dans la hiérarchie de Microsoft. Donc, peut-être qu'on aura plus de misère à s'asseoir avec Jean-Luc pour faire des émissions. Mais pourquoi on enregistre avec les mêmes personnes? On n'enregistre pas le même sujet. Ben non. Donc, puis aussi, il y a une évolution. Étienne focus sur tout ce qui est Team System,
Mais Team System, c'est un produit qui est tellement large. Et qui aussi, évolue. Et qui évolue. Donc, au fil des versions, il y a des améliorations, il y a des nouveautés. Donc, en fait, quand il y a une nouvelle version, on demande à Étienne, ben viens nous parler des nouveautés, tout ça. Puis à l'occasion aussi, il y a des sujets, comme là, je sais qu'Étienne, au Code Camp, a parlé de tout ce qui est la gestion des branches, quand on regarde au niveau de notre gestion de code source. Puis c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, en tout cas en profondeur. Puis là, je disais à Étienne, je disais, prépare-toi, là, tu vas venir faire un podcast. Comme Guy disait la semaine dernière, si on a le malheur de travailler avec moi, souvent on se retrouve à venir faire un podcast, mais si on a le malheur d'être impliqué dans la communauté brouhénette de Montréal, il y a des chances que je vais pousser pour que les gens viennent faire un podcast. Ben, en fait, ouais, puis un des buts aussi qu'on s'est donné, puis on l'a pas mentionné au début de l'émission, c'est de mettre en valeur les talents qu'il y a à Montréal, par exemple. Originalement, c'était ça. Hein? Et les talents francophones. Donc là, on a débordé du local ici à Montréal puis au Québec. Donc, on a rencontré plein de gens, des Européens. D'ailleurs, un des premiers que je me rappelle qui m'avait un peu impressionné, ça, c'était avant même, je pense, le show du PDC, c'était un auteur qu'on avait reçu qui s'appelait Richard Basque, qui était venu parler de CMMI. Et ça m'avait beaucoup impressionné, ça. Il y a des invités comme ça qui sont des highlights parce que pour nous, c'est ouais, comme, waouh, ouais. Tu sais, Richard a écrit un des livres, un des livres importants dans la langue française sur CMMI. Puis il y a une compréhension, puis il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est, justement. Puis c'était une excellente vulgarisation parce que ça peut être complexe, tout ce qui couvre CMMI. C'était une excellente vulgarisation là, du processus. C'est ça. Ce qui est intéressant, au début, on focussait sur les gens qu'on connaissait à Montréal, puis ou les gens qu'on connaissait peu, mais que par le hasard, comme Richard Bass, c'est le hasard qui nous a mis en contact. Je disais, hey, il faudrait que vous veniez faire un podcast. Puis aujourd'hui, ben là, c'est plus juste Montréal, le Québec, mais on est rendu avec presque la communauté francophone planétaire. Ben en fait, il y a ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a pas, l'équivalent ou il y a pas grand chose du côté européen en français. Donc, il y a beaucoup d'Européens qui nous écoutent, ou j'imagine des gens d'Afrique du Nord aussi. Donc, on déborde un peu du Québec, du Canada francophone pour toucher l'Europe. Puis ce qui est intéressant, ben ça nous permet de faire des rencontres. Super intéressante. Je me souviens de Patrick Smakia, par exemple. Ça aussi, c'était bien. Puis c'est drôle parce que je me souviens de Patrick, il était tout énervé là, nerveux là. Il nous voyait comme une vedette là du podcast international francophone. Puis pourtant nous, parce que écoute, Patrick a écrit un des logiciels qui, en tout cas, du point de vue architecture, le NDPN. Écoute, Microsoft sont en train de copier son produit, puis c'est pas pour rien. Il avait compris plusieurs années avant l'importance de pouvoir avoir une espèce d'outil qui va te disséquer toutes tes dépendances, qui va te donner quasiment un rayon X de ton application, à tel point que c'est un produit, t'as pas du phare, là. Qui ont une réflexion en architecture utilise son produit. Nous, on l'avait comme invité, c'est comme wow. Fait qu'on était wow, là, tout excité. Puis lui, d'un sens, il était aussi... Lui, il était tout gêné. Il était tout gêné, là. Faut dire que ça peut être aussi un peu déconcertant quand t'as deux Bozo, on va se nommer Bozo, qui t'écrivent un email, puis disent « on voudrait enregistrer un podcast avec toi. Tu vas être au MVP Summit, nous aussi, donc est-ce qu'on peut faire ça dans notre chambre d'hôtel? » Ça peut sembler un peu... Qui sont ces deux personnes? Oui, parce que c'est drôle, parce que quand on assiste à beaucoup de conférences, puis ça nous permet aussi de rencontrer ces gens-là, parce que, en France, on y va pas toutes les semaines. Donc, souvent, les conférences, c'est des points de rencontre. Mm-hmm. Et avec l'expérience, hein, Mario, on n'enregistre pas dans une conférence dans des endroits publics parce que on peut avoir beaucoup de bruit, on peut être dérangé, puis surtout en fin de conférence, hein, je pense. Ben ça, c'est des choses qu'on apprend. On fait une rétrospection. On peut même parler de nos bons coups, mais il y a des choses qu'on fera plus. La dernière émission qu'on a enregistrée au PDC avec Bruno Boucard. Sur justement, tu parlais de la concurrence, on a fait une mission avec Bruno, puis
on enregistrait vers la fin du PDC. Donc au début, quand on a commencé à enregistrer, c'est tranquille. On trouve un endroit assez discret. Donc on commence à enregistrer. Ça fait pas 10 minutes qu'on enregistre. Bading, badang, les déménageurs qui arrivent parce qu'ils commencent à déménager le stock. Ça n'a pas été spé, mais c'est celle avec Bernard, là où on se faisait pousser pour partir. Puis ça aussi, donc c'était la même formule. Là, c'était une personne qui, elle, disait ben vous devez quitter, la conférence est terminée. Puis on lui expliquait, elle dit ben écoutez, on est en train d'enregistrer une émission, on en a pour quelques minutes parce qu'on était vraiment sur la fin. Donc donnez-nous quelques minutes qu'on finisse. Et, parce que c'est pas grave, on va se reprendre. La personne, elle prend un avion, s'en va, dans ce cas-là, il s'en est là en Suisse, Sur un autre continent. Sur un autre continent, donc c'est comme laissez-nous terminer. Puis je me souviens, la troisième fois, moi je commençais à monter le talk, la madame, c'est comme hey, laisse-nous finir, parce qu'à toute fois tu viens nous déranger, on finit pas. Mais aussi, il y a des choses qu'on fera plus, comme dans des conférences, demander un petit bout, une petite opinion là rapide, de 1 ou 2 minutes. Là. Le montage c'est tellement long. Ça, oui, on a essayé de faire. On a fait ça 3-4 fois avec les DFTs. Aux conférences DFTs. On appelle ça des clips shows. Des clips shows. Mais ce qu'on s'est rendu compte, premièrement, c'est que, à brûle pour point, quand t'arrives au GEP, t'as dit, ben, peux-tu me dire qu'est-ce que, c'est, faut que tu prépares, là. Les gens, personne n'aime ça, se faire prendre par surprise, dire, hey, dis-nous quelque chose d'intelligent. Puis là, tu remets le micro en dessous du nez. Je peux vous dire, moi, quand j'ai fait ça à Ten New World, son premier réflexe, c'est, t'es qui, toi? Dans l'époque, ils me connaissaient pas, là. C'est comme, who the hell are you? Puis what do you want? T'sais, Puis bon, on se le cachera pas, il y a certaines personnes qui ont un certain ego. Ah oui? Tête, pour entre autres, hein, tu fais pas dire ce qu'il veut pas dire, puis je me souviens, il m'avait regardé, il dit, non, je veux pas te parler, toi, je te connais pas, donc, achète-moi pas. Donc là, je suis reparti sur mon micro, en disant, ouais, puis là, pendant, je pense, les 6 mois subséquents, au fait qu'il me voyait, c'était comme, ah oui, c'est la tâche, là, qui m'achète avec son micro. Aujourd'hui, j'ose espérer que son opinion a changé, mais au début, là, c'était comme, ouf, tu sais, ils disent toujours, les premières 5 minutes sont importantes quand tu rencontres quelqu'un. J'avais pas trouvé la meilleure formule pour impressionner. Le Beauzobit avait été mis. Ah oui, là, c'est comme beau. Ah oui, le Beauzobit était à l'aise. Mais, non, c'est ça. Donc, c'est des formules. En fait, on essaie des choses, puis... Mais moi, je me rappelle d'une formule qui était drôle à un moment donné, c'est quand on voulait faire un show un peu différent pour Noël. On avait invité Jérôme Caron et Michel Bordelot à parler de gadgets pour Noël. Mais ça, on leur ferait. Oui. Moi, cette émission-là... J'avais trippé, moi aussi, là, je me rappelle. À peu près la 15e ou 20e minute, quand là, j'ai pris conscience que... il y avait Michel, il y avait aussi, j'oublie le nom, comment ça s'appelle? Jérôme Caron. Jérôme Caron, c'est ça, qui travaille chez Microsoft, qui est toujours chez Microsoft. Quand j'ai pris conscience que Jérôme Caron, c'était pas un ou deux ou trois, mais c'était comme 7 ou 8 ordinateurs, mais des serveurs qu'il y avait dans sa maison, plus ci, plus ça, puis là, je suis comme... Tout interconnecté. Il y avait comme à peu près pour 25 000 piastres d'équipement dans sa maison, tout connecté. Là, j'étais comme à la maison, je dis, wow, quel techie, là, un vrai de vrai. Puis les techies, quand ça se rencontre, là, puis ça peut parler des bébelles, il y a un fun noir à faire ça, hein. Je sais, moi, à la caisse, on est une couple de... Je me considérais pas comme les techies, j'aime quand même acheter les derniers bidules, mais, tu sais, les premiers qu'on avait nos iPhones, on se montrait, moi, je fais ci, je fais ça, là, dernièrement, c'est les netphones, les netbooks, on compare, tout est sûr, moi, je les Dell, on les ouvre, on les regarde, on essaie de comparer les avantages, les inconvénients de chacun, donc... Mais en cours d'émission, quand j'avais pris conscience de ça, je me souviens, j'étais mort de rire. Là. C'était trop pour moi. Là. Tout à l'heure, Mario, t'as mentionné l'interview qu'on a faite avec Bruno Boucard sur le parallélisme. Oui. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Parce que je pense que Bruno a très bien vulgarisé l'aspect, ou a expliqué la problématique, puis vulgarisé comment ça serait un problème éventuellement dans le futur, et c'est quoi les techniques et tout ça là, pour y arriver. Moi, ce que j'ai aimé de cette émission-là, c'est que Bruno, là, il a pas commencé à faire de l'informatique il y a 3 ans, 4 ans, là. Écoute, il y a à peu près 20 ans dans la cravate, il a travaillé avec les pointeurs, tu sais, il y a un profil qui, quelque part, je me retrouvais, là, tu sais, je disais, ah, OK, voici quelqu'un qui me ressemble un peu. Il a fait des choses, je pense, un peu plus techie, plus poussées que moi, puis qui est capable aussi de le vulgariser. Donc, d'ailleurs, hier, je regardais sur le site de l'USC, de l'Université du système d'information, qui va avoir lieu cet été à Paris, où on est conférencier.
Puis, tout d'un coup, j'ai noté que Bruno est conférencier à cette conférence-là. Il va parler de parallélisme. J'ai dit, waouh, quel bon choix. Si, hein. Ouais, à un moment donné, j'ai envoyé un petit courriel. J'ai dit, hey, ça serait un bon sujet, là. Puis, vous avez une superstar à Paris, là, pour ça, là. Pas parler de ça. Donc, ça, c'était une bonne émission, là. Écoute, en parlant de Paris, des fois, on sait jamais qu'est-ce que la vie va nous apporter. À un moment donné, tu reçois un courriel d'une société parisienne qui vient de publier un bouquin. Que je connais même pas. Aujourd'hui, je sais c'est qui, là, mais Octo, pour ne pas les... Octo Technologies. Les nommer. Donc, tu reçois un courriel. Il y a une société parisienne qui vient de publier un bouquin. Puis, qu'est-ce qui arrive? Dans le courrier, c'était Nelly, qu'on connaît bien maintenant parce qu'elle s'occupe, une des organisatrices du SI. Ce qu'elle me dit, c'est écoutez, on écoute votre podcast, on apprécie et on aimerait vous faire partager notre livre. Puis, ce que je comprends dans le courrier, c'est qu'elle veut m'envoyer un livre gratuitement. Guidoune, comme je suis. Guidoune pour les Européens, ça veut dire que je suis prêt quasiment à vendre mon corps pour... Putain! Donc, je réponds en disant, ah oui, vous pouvez m'envoyer le livre. Puis, mais par contre, j'étais quand même assez honnête, je dis, mais vous pouvez être surpris, peut-être que vous aurez pas les commentaires que vous aimeriez avoir, parce que c'est pourri, leur livre, moi, je vais dire ce que je pense. Et c'est un excellent bouquin. Ah oui, j'ai reçu le livre, je commence à lire ça, puis je fais comme, waouh, ils ont réussi à vulgariser, pas forcément pour les techies, mais pour les autres, ils appellent ça les boss. Les décideurs. Donc, pas pour les geeks, mais pour les boss, ils ont vulgarisé correctement les enjeux, pourquoi l'agilité avec ses principes, comme par exemple diriger sur la qualité avec les tests, pourquoi ces principes-là sont importants. Puis, donc moi, c'était un coup de cœur, ce livre-là. Donc, quelques mois plus tard, on en avait parlé au podcast. Donc, nous, l'histoire s'arrête là, théoriquement. À un moment donné, on reçoit un courriel. Quelques mois plus tard, on reçoit un courrier. Un autre courrier de Nelly qui nous explique que Octo organise une conférence à Paris, l'Université du SI. Et qui nous invite en tant que conférencier. Tout à fait. Donc, l'été dernier, on se retrouve à Paris pour assister à cette conférence-là. Conférence prestigieuse, d'ailleurs. Écoute, Neil Armstrong comme conférencier, quand j'expliquais ça à mes amis, ils disaient « Neil Armstrong? » Écoute... Lui, il disait, c'était un peu comme « Oh, t'es pas n'importe qui, tu vas comme conférencier dans une conférence où il y a Neil Armstrong? » Ah oui, écoutez, je ne suis pas n'importe qui. Qui était l'autre personne? Il a parlé de son histoire de... Tu sais, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a été sur la Lune? Oui, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que à quelques moments de sa conférence, bon, c'est quelque chose qu'il doit présenter à partout, mais vu que c'est une conférence informatique, il parlait un petit peu de l'aspect informatique, donc il expliquait le calculateur qu'il y avait dans le LEM, le module lunaire. Donc il focussait de temps en temps sur l'aspect informatique, donc c'était vraiment intéressant. C'était qui le fameux philosophe? Michel Serres. Ça, c'est un de mes coups de cœur à cette conférence-là, parce que... Écoute, comme keynote, une des deux journées de la conférence, un philosophe. Tu sais, moi, là... Mais moi, je trouve attends que... Attends un petit peu! Ça compte! Attends! Moi, là, le gars terre-à-terre, là, bien ancré, là, un philosophe, hein, faire le keynote, eh bien, ça a été mon coup de cœur des deux journées. C'était une heure de bonheur total. Cette année, il y a Joël de Rosny qui va être là pour faire le keynote, Albert Jacquard. Donc, des gens qui, à prime abord, sont pas si associés que ça avec, développement logiciel, mais ça nous permet d'élargir nos horizons. C'est une conférence plaisante. Puis nous, Guy, on a profité du fait qu'on allait à cette conférence-là. Malheureusement, nos femmes ne pouvaient pas se joindre à nous. Donc, on s'est retrouvés deux célibataires à Paris pendant une semaine. Fidèle à nous-mêmes, on a contacté tout le monde qui nous avait envoyé des courriers qu'on connaissait. Les gens qu'on rencontrait par exemple, au MVP Summit, dans les conférences, là, on a booké une série d'enregistrements. Et puis là, on a fait des rencontres extraordinaires. Grégory Renard, Éric Groisse, Fabrice Marguerite, Guillaume Belmas, Arnaud Clairet, Bernard Fedotov, Vincent Vergongeanne, Mathieu Mézil, Florent Santin, Michel Perfetti, Frédéric Schaffer. J'espère que j'oublie personne, là. Mais ça a été une semaine extraordinaire. Oh, écoute, tu... Fatigant, mais ça... Oh, oui, on est... Juste 3-4... Ça peut sembler... stupide, mais 3-4 podcasts à une journée,
à la fin de la journée, t'as ta journée dans le corps, comme on dit, hein. Mais c'était, il y avait des sujets, je me souviens d'enregistrement avec Vincent Vergojan, où est-ce que, tu sais, des fois, t'as comme des atomes crochus. J'ai revu, moi, Vincent, quelques mois plus tard, il vit maintenant à San Francisco parce qu'il est rendu là-bas avec Microsoft. Puis on avait encore parti se fabuler sur un autre sujet, mais encore lié à la technologie, forcément. Puis je suis sûr que si je le revois dans 6 mois, là, je vais dire un peu, bon, regarde, je suis rendu là, puis où t'es rendu où? Puis j'espère qu'un jour, ce sur quoi il travaille chez Microsoft Research, il pourra en divulguer, en parler un peu à la communauté, puis on va l'inviter. On va dire, viens t'asseoir avec nous, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir. Mais ça a été des rencontres, en fait, c'est tout le temps des rencontres intéressantes, là. Mais je suis plus sûr qu'on va en enregistrer tant que ça. Premièrement, c'était beaucoup dans une semaine. Puis en même temps, là, ça a comme gelé toute notre automne. On avait juste que des émissions enregistrées. Donc, à un moment donné, on se retrouvait avec une problématique, c'est que les gens veulent faire des podcasts. On dit, oui, je peux te céduler, mais dans 8 mois, 9 mois, je me souviens, à un moment donné, j'avais envoyé un courrier à quelqu'un qui m'a demandé, je voudrais faire un podcast. Je dis, oui, je peux te céduler, comme 12 mois plus tard. Puis il me répond un peu insulté, genre, ben, puis là, je suis obligé de dire, non, c'est pas que je veux pas t'avoir. On est cédulé jusque dans 12 mois. Mais... Ouais, parce qu'on en avait enregistré, là, toute une série. Mario, si je regarde un petit peu tous les sujets coup de cœur que j'ai notés, là, si je regarde un peu ma liste, il y a quelque chose qui me frappe. C'est que la plupart de mes coups de cœur sont sur des sujets non technologiques. On a eu des bonnes... juste avant de parler des émissions moins technologiques, qui sont importantes, je pense, c'est ce qui donne la couleur particulière du Visual Studio Talk Show. Il y a quand même eu des très bonnes émissions technologiques, je pense, avec Ludovic Dubois. Oui. Métaprogrammateur. Tu sais, absolument, nous, on le sait qu'on vient de faire une bonne émission. Puis en plus, on le reçoit par les courriers qu'on reçoit des auditeurs qui nous donnent de la rétroaction. Je me souviens, Ludovic, c'était une bonne émission. Éric Renault. Éric Renault, les bases de données multidimensionnelles, là, c'était génial. Puis souvent, c'est quand on réussit à vulgariser, on sait qu'on a réussi à simplifier ce qu'est un domaine. Là, c'est à ça que ça sert un podcast. Mais par exemple, une émission, une heure à discuter avec Jean-Marc Henman de la programmation en pair. Tu sais, on aurait pu en parler juste pendant 5 minutes. OK, là, tu mets deux personnes assises ensemble, puis voici, ça vient de finir là. Mais Jean-Marc, avec son expérience, puis il y a une approche humaine extraordinaire, Jean-Marc. Jean-Marc est très zen. Oui. Tu peux pas faire avec Jean-Marc, c'était stressé. Hein? On dirait qu'ils sont... Là, on se relaxe. Mais c'est quelqu'un de très humain. Donc, ouais. Parler de la programmation en pair, Jean-Marc amène tout cet aspect-là. Donc, puis on en a parlé pendant une heure. Une émission complète. Jean-Marc Henman, c'est lui qui est le premier à parler de la communication non-violente. Moi, quand il m'avait dit ça, la communication non-violente, souvent, les gens me permettent de découvrir d'autres choses que j'ai aucune idée. Donc, il y a quoi, 2 ans, 3 ans, c'est la première fois qu'il était venu au podcast, il m'a parlé de communication non-violente. Et depuis le temps, bon, j'ai lu sur la communication non-violente et j'ose espérer que je communique de façon moins violente. j'ai encore beaucoup à apprendre sur l'art de vraiment être bien à l'écoute des gens. Il y a certaines émissions, hein, Guy, où est-ce que je pourrais être meilleur pour écouter, parce que souvent, je parle trop. Hey boy! Grande gueule, des fois. Des fois, je fais... Vous voyez pas, là, mais je fais des grands gestes où je fais des signes de avec mes doigts là, de ciseaux, là. Je dis, arrête! mais Guy, tu parles d'émissions qui sont à de nature beaucoup plus... presque... Ben, en tout cas, de nature plus intelligence émotionnelle plutôt qu'intelligence technique. La dernière émission qu'on a fait en duo avec nos amis... Éric Mignot et Raphaël Pierquin? Oui, ça, c'était intéressant. Premièrement, le fait de donner... sujet, c'était les 5 dysfonctions d'une équipe. Puis l'objectif, c'était de titiller tellement les auditeurs pour dire, allez lire ce livre-là, les 5 dysfonctions d'une équipe. Nous, ça nous a titillé. Moi, j'ai lu le livre, toi, tu l'as lu. Ben oui. Et c'est un de mes coups de cœur de cette année. Absolument. C'est un livre important, je pense, qu'il faut lire dans sa vie. Et c'est drôle parce que on est cédulé pour enregistrer avec Éric Mignot. Chez Pixis, cette semaine-là, c'est leur meeting pour tous les gens à travers les bureaux dans le monde. Donc, ils ont des bureaux à Paris. Raphaël Pierquin est là. Est présent. On le connaît pas du tout. Éric, Raphaël,
est-ce que tu voudrais te joindre à nous? Puis faut aussi dire que Raphaël, je ne sais pas s'il va donner sa terme cette expérience-là, mais aimerait peut-être mettre sur pied un podcast. Il nous avait demandé, est-ce que je pourrais être un auditeur libre? Ça veut dire juste regarder comment on fait ça. Donc, si lui s'installe dans le coin comme pour être vraiment quelqu'un qui va juste analyser et apprendre. Et là, mon Éric Mignot dit, Raphaël, tu pourrais être assis à table avec moi puis faire l'entrevue. Puis, Éric aime toujours être sur la corde de raide. Le plaisir d'être sur la corde de raide, donc d'être toujours en équilibre, garder l'équilibre de la, tu sais, il faut que ça soit dynamique, une relation. Ça peut pas être statique, fixe dans du béton. C'est pas Éric Mignot. Éric Mignot, c'est, faut être, tu sais, sur, j'imagine, parce que je connais pas sa femme, mais il ne peut être en couple qu'avec une femme qui aime aussi le jeu de la, peut-être que je rencontrais sa femme, c'est pas ça du tout. Souvent, on est avec des gens qui sont à l'inverse de qui on est. Mais Éric s'est assuré que cette émission-là aussi, on aurait un aspect un peu risque. Donc, on a parlé des 5 dysfonctions de l'équipe et du bouquin, le fameux bouquin, là. Mm-hmm. Qui a été écrit là-dessus. Mm-hmm. Parce que eux, le but, c'était d'inciter les auditeurs à aller lire. Ce livre-là. En tout cas, ça a marché avec nous, puis je pense que ça a marché avec quelques auditeurs parce qu'on a reçu un courriel. Ouais, en plus, hein, il faut croire qu'on n'est pas seul. Il y a quelques personnes qui nous écoutent. En tout cas, on peut le voir par les downloads. Les téléchargements. J'allais l'acheter. Écoute, l'émission aussi, ça peut être intéressant parce que, aussi, il faut aussi dire une des choses, on s'est rendu compte, nous autres, au cours des années, ça fait presque 5 ans, l'auditoire change. Parce que les gens, un moment donné dans leur vie, pendant 6 mois, ils font un contrat à un endroit, ont le temps d'écouter le podcast, mais après ça, la vie change, on n'a plus le temps, donc on prend comme un stop, on arrête, et on peut revenir écouter 6 mois plus tard. Et donc, puis les gens vont, à ce moment-là, ils vont piger les émissions qui semblent les intéresser. C'est sûr qu'on a des gens qui nous écoutent systématiquement de semaine en semaine. Il y a même du monde qui sont est un porteur, nous font « Hey, ça s'en vient-tu la prochaine émission? » Mm-hmm. Oui, ça s'en vient parce que des fois, on aimerait toujours publier la même semaine, mais on finit par la publier la fin de semaine. Ben, on est chacun très occupé, puis donc c'est du bénévolat, comme on dit. Voilà, j'aimerais ça peut-être qu'on parle un peu d'un coup de pierre parce que j'ai... On a des coups de cœur, mais des fois, on a des coups de pierre. Et c'est un peu drôle, je regardais dans la liste des émissions, puis il y avait le panel DevTeach sur l'accès aux bases de données. Ouais. Et je me suis dit, c'est drôle qu'après 4 ans, il n'y a rien qui a changé beaucoup dans les stratégies d'accès aux données. C'est-à-dire que quand on arrive pour faire un projet avec Visual Studio et tout ça, essentiellement, on se retrouve que dalle à dire, bon, quelle va être ma meilleure stratégie? Et il n'y a pas de stratégie idéale encore. Non, parce que... Mais aussi, je pense que je sais pourquoi ce n'est pas un problème. On s'entend, c'est pas un problème simple à résoudre, parce que la solution dépend du contexte, de ce que tu veux faire. Puis à ce moment-là, tu peux pas faire une espèce de one size fits all, c'est-à-dire une seule solution pour n'importe quel problème. Et la vraie question de fond, c'est est-ce si important que ça un coup que tu as décidé ta stratégie, que tu as développé ta couche d'accès aux données, ça change plus, mais ben, tu peux, si, mettons, tu as fait un choix il y a 4 ans d'aller avec ADO.net puis des datasets. Puis aujourd'hui, tu es dans 2009, puis on sait qu'il existe Entity Framework puis d'autres façons de faire. Tu vas-tu réécrire ta couche d'accès aux données? Probablement pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Là. Le vrai enjeu est au niveau de ta couche d'affaires, du couche métier. Là. C'est ces objets-là qui, eux, vont évoluer, changer, puis que tu dois changer parce qu'il faut que tu suives le métier puis le domaine d'affaires dans lequel tu es, parce que sinon, tu vas te retrouver en faillite hein, à moyen long terme. Puis, donc, oui, c'est important, la couche d'accès aux données, mais est-ce que... Alors là, si je fais pas un grand signe pour arrêter Mario, il va continuer de parler d'accès aux données là, pendant au moins une dizaine de minutes. Je vais trouver moyen de référencer qu'il y a Ted Newell qui a écrit là-dessus à l'époque en citant c'était le Vietnam des compagnies d'informatique et tout. Aïe, aïe, aïe. Mais que de bons souvenirs, hein? Que de souvenirs intéressants. Puis on sait pas où, justement, au départ, qui aurait dit... Lorsque tu as eu cette idée-là, Mario, qu'à un moment donné, on se retrouvait à rencontrer plein de gens intéressants, mm-hmm. qu'on aurait des contacts en Europe même, qu'il y aurait des gens qui nous écouteraient un peu partout sur la planète francophone. Juste qu'il y a des gens qui nous écoutent. Moi, je me souviens à l'époque, je me disais, Eric, je disais, si on a 10 personnes qui nous écoutent, là, pour moi, l'objectif est atteint. 10 personnes, si on avait ça la première semaine.
Donc là... Je me rappelle aussi la première fois qu'on l'avait fait, il m'avait dit, on va faire ça pendant 2-3 ans, puis après ça, tu sais, ça va être autre chose. Ah oui, parce que bon, je me voyais pas faire ça pendant plusieurs années, mais là... En fait, c'est intéressant parce qu'on apprend à chaque fois, on apprend quelque chose, puis on élargit nos horizons, puis on essaie de le partager avec tous nos auditeurs. C'est surtout grâce à tous les feedbacks qu'on reçoit positifs que ça nous permet de nous encourager à continuer parce qu'on voit qu'on fait une différence. Ouais, puis si vous voulez nous envoyer un petit courriel, gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. Des idées de sujets peut-être, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on couvre dans les prochains mois? Parce que il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a un an et demi en disant « J'aimerais ça faire une émission sur les systèmes embarqués. » Et ça fait plus d'un an qu'on essayait d'enregistrer une émission avec Bloc. Michel Deschamps. Ben, Michel Deschamps, on a réussi à enregistrer, mais c'était pas vraiment embarqué en point net. C'était embarqué pour avec le langage Bichat. Dernièrement, à Tekken, il y a 2-3 semaines, j'ai finalement réussi à enregistrer une émission avec Olivier Bloch sur les systèmes embarqués. Donc là, c'est une émission qui s'en vient. Donc, c'est pas parce que vous nous envoyez un email qu'on vous oublie, on les garde, on travaille pour réussir à satisfaire. Parce que notre défi, si on faisait l'émission en anglais, c'est que ça serait tellement facile de trouver des spécialistes qui pourraient parler de ces sujets-là. Dans la langue de Shakespeare. Regarde un exemple bien banal. Cet après-midi, c'est hier soir que je regardais justement qui va être conférencier à USC. Je me dis, bon, y a-t-il des choses que ça m'intéresserait de voir? Puis je me rends compte qu'il y a un des spécialistes du prototypage, une des sommités qui va être là, qui va faire justement une session sur le paper prototyping. Wow, c'est clair, moi je vais aller voir ça. Mais là, je me dis, hey, il vit à une conférence parisienne. Puis le gars, il vit à Philadelphie, mais il y a un nom... de descendance européenne. Donc, je me dis, oh, peut-être qu'il parle français. Donc, là, j'envoie un courrier rapidement à Éric Roy. Je dis, Éric, est-ce que ça se pourrait que telle personne parle français? Puis là, Éric m'a répondu en disant, non, il parle anglais. Non. Parce que s'il allait parler français, pauvre gars, on aurait été sur son cas pour dire, hey, il faut que tu fasses un podcast avec nous sur le paper prototyping. Sujet, en tout cas, pour moi, qui, je pense qu'il est fondamental. En tout cas, tout ce qui est prototypage, c'est aussi important que les approches agiles. Mario, comment on peut conclure une émission comme ça? En se posant la question, est-ce qu'on va se rendre à 200 émissions? Ah. C'est-tu, je pense que oui. En tout cas, on verra là, où la vie nous amènera d'ici là. Ça ben, la formule va peut-être changer. On verra. Ouais. Elle évolue, hein, parce qu'on n'aurait jamais pensé, il y a un an ou deux, que j'enregistre une entrevue seule. On avait comme une règle, disons, on fait les entrevues à deux, puis là, ben écoute, j'étais seul à Tekken, bon, ben, je vais enregistrer, puis toi, tu vas te retrouver seul à une conférence avec Microsoft, puis tu vas rencontrer quelqu'un de français, tu dis, bon, vas-y, enregistre, parce absolument. Que le but, c'est, parce que les rencontres peuvent se faire en solo, hein. C'est sûr que quand on peut être les deux, tant mieux. Guy, on l'a vécu cet hiver, hein, quand t'étais grippé. Oui. Pas capable d'être zéro. Grippé, j'ai eu la fameuse influenza, et T'étais sur le dos. Ouais, 5 jours là, sur le dos au lit. Là. Ouais. Donc, c'est des choses qui arrivent. Puis, ça peut sembler, tu sais. Puis, les gens se disent, oh, un podcast à toi et deux semaines. Je sais pas si contraignant eh ben, ça. Eh bien là, c'est l'ouvrage de tout céduler, de planifier, de trouver le temps de monter les émissions. Un des soirs à Tekken, j'étais avec, je revenais à pied avec Carl Franklin puis un couple d'autres... d'autres conférenciers. Puis Carl est un des... Bon, et le cerveau derrière le .NET Rocks. Maintenant, ouais. Il fait beaucoup avec Richard Campbell. Puis Carl s'informait. Il dit, puis, parce qu'il dit toujours le blabla .NET. Je dis, oui, c'est toujours vivant, toujours là. Puis il dit, oh! Il dit, oui, c'est l'ouvrage, hein? Il dit, oh! Il dit, je peux... S'il y a quelqu'un qui peut comprendre l'effort que vous devez mettre, il dit, moi, je peux comprendre parce qu'il sait ce qu'il y en a. Eux, ils sont rendus qu'ils font à deux par semaine. Ils font ça à temps plein, là. Ils font pas autre chose. Puis ce qui est bien dans la langue anglaise, c'est que tu peux peut-être penser à faire un certain, en tout cas, à générer des revenus. Nous, en français, on n'est pas là du tout. si vous voulez devenir commanditaire d'émission, ben, on est ouvert. Écoute, on doit remercier Éric. Ouais. Je vous remercie cher de m'avoir Éric. Invité. Ça a été un grand plaisir et j'ai hâte d'écouter les 100 prochains épisodes. Mais là, on va sûrement trouver... là, je sais que tu travailles fort ces jours-ci pour mettre à jour tes certifications. C'est ça que tu nous expliquais avec WCF, WPF. Écoutez,
Écoutez, les gens, des fois, demandent à quoi ça sert les récessions. Ça sert à ce que, justement, des gens pigistes aient un peu de temps pour pouvoir se rattraper et se mettre à jour sur toutes les technologies qui sont sorties depuis les 4 dernières années. Mais la vie est drôlement faite parce que j'ai de la misère à voir Eric qui a été sous 30% juste de ton temps à Montréal, donc on se voit presque plus. Nous, on se rencontre au Tekken, tu sais. Hey, Eric, comment ça va? D'ailleurs, c'est de là que, parce que quand j'étais au Tekken, je disais, hey, t'as-tu le temps de venir faire notre 100e? Puis on a conclu que oui, donc, merci encore. Mais ça m'a fait plaisir et je suis content d'avoir participé avec vous dans cette aventure-là. Et j'espère continuer à participer en étant invité dans les... En tout cas, il y a un groupe là d'invités qui sont... en tout cas, ça fait deux, trois fois, puis on... Nos victimes! Oui, victimes, presque. en tout cas, si ce sont nos victimes, on s'assure au moins que ce soit des victimes consentantes et heureuses. J'aimerais remercier tous les invités au fil des années, donc les 99 émissions précédentes. J'aimerais aussi remercier tous les auditeurs qui nous écoutent depuis des années, bon, certains depuis un bout de temps. Donc, merci à tout le monde de nous accueillir chez vous, soit dans votre voiture, à la maison, dans votre lecteur MP3. Ou pendant que vous coupez votre gazon. Absolument. Il n'y a pas de mauvaise façon d'écouter un podcast. On peut aussi en profiter, on est dans les bureaux du crime. Où on enregistre, ils nous parlent gracieusement. Leurs locaux. Pour l'enregistrement. Donc, merci beaucoup. Puis, sur ça, on va souhaiter bonne programmation. On est au mois de juin, hein, donc c'est le dernier droit avant les vacances. Puis c'est vrai aussi... Les vacances parlent pour toi, là. Mais en tout cas, c'est le dernier droit pour beaucoup d'organisations parce qu'on veut soit déployer avant de partir pour les vacances ou pas se retrouver à déployer après. Donc, on a tous pas mal d'ouvrages. Alors, merci. Au revoir. Visual Studio Talk Show.